Bonjour à tous et à toutes, nous Bonjour. sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, avant de commencer le vif du sujet, je voulais d'abord vous prévenir que nous avons créé une catégorie dans la chaîne YouTube, une nouvelle catégorie qui s'appelle Diab Run. Donc comme son nom l'indique, c'est une catégorie qui regroupera toutes nos vidéos sur le sport, sur notre expérience avec le running et le diabète. Enfin tout ça, puisque c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant qu'on court. Et donc on a décidé de vous proposer cette catégorie pour les personnes qui sont intéressées par le sport et qui aimeraient commencer ou qui aimeraient continuer ou se perfectionner. Et donc, en parlant de sport, dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un super événement qui nous tient à cœur, qui s'appelle la Blade Run. C'est un événement qui se passe dans les alentours de Marseille dans un mois à peu près et qui est organisé par l'association Blade. Alors d'abord, on va vous présenter l'association Blade, parce que peut-être que vous ne connaissez pas. C'est en fait une association qui est présente sur la région PACA. C'est l'antenne de l'AJD, donc l'association pour les jeunes diabétiques. Et du coup, Blade, ça veut dire Bleu Association Diabète. Et du coup, elle a été créée à l'origine par des mamans d'enfants diabétiques. Ils font beaucoup, beaucoup d'activités sur la région, des bowling, des choses comme ça, pas mal en lien avec le sport quand même. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qu'on a postée parce qu'on avait fait une activité avec cette association. Voilà, qu'on a filmé, donc n'hésitez pas à aller voir. Et l'association, elle a été créée notamment par des donc, mamans d'enfants diabétiques, comme Anne l'a dit, et notamment Pascal, Valérie, Delphine, enfin plusieurs mamans d'enfants diabétiques qui sont super sympas et plutôt actives au niveau de la région PACA sur le diabète de l'enfant et qui ont d'ailleurs pour projet de former des écoles, nounous, tous ces lieux publics dans lesquels, enfin ces personnes qui peuvent s'occuper d'enfants diabétiques pour leur apprendre ce que c'est le diabète et pour éviter que ces personnes aient peur d'avoir en charge un enfant diabétique. Et donc cette association organise un événement, ce sera le samedi 18 novembre 2017. Ça se passera à Bouc-Bel-Air. Donc Bouc-Bel-Air c'est un endroit qui est pas très loin de Marseille, je crois que c'est à 30 minutes à peu près, non c'est ça, entre Aix, Marseille et tout. Et donc c'est le Décathlon Village de Bouc-Bel-Air. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un Décathlon qui est assez grand, qui propose pas mal d'activités. Donc il y a le magasin bien sûr Décathlon et autour il y a plein de trucs de sport pour se défouler et tout. Et donc cette association Blade organise ce qu'ils appellent une Blade Run. Donc c'est en fait une course. Il y a plusieurs distances bien sûr. Donc comme c'est pour les enfants, il y a 500 mètres, 1 km, 2 km pour les enfants entre 3 et 12 ans. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour ceux qui veulent s'inscrire, parce qu'il y a des catégories d'âge pour les différentes distances bien entendu. Et il y a une course de 5 km pour les plus de 13 ans et adultes. Voilà, c'est là sur ces quatre distances là, elles sont toutes gratuites. Il y a seulement la course de 5 km qui est payante au prix de 8 € sur le site Courir en France. Et si vous ne voulez pas anticiper et puis si vous préférez vous inscrire au dernier moment, le jour même, ce sera au prix de 10 € directement sur place. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos ainsi que l'événement. Donc si vous voulez vous inscrire à cette course et venir à cette journée, vous pourrez bien sûr vous mettre que vous participez à l'événement pour qu'ils puissent savoir à peu près le nombre de personnes qui aura. Normalement sur cette même journée avec les courses, il y a plusieurs animations qui sont organisées, notamment des animations, des jeux, des conférences, le stand caritatif de l'association qui sera présent. Donc si vous avez des questions à leur poser et puis que vous voulez adhérer à leur association, ils seront là pour bien sûr vous aider et répondre à vos questions. Il y a une restauration sur place, il y a plusieurs sponsors qui auront des stands et qui pourront vous aider, enfin en tout cas si vous avez des questions. Il y a plusieurs prestataires comme Asia, Omnidom, Omperf. Il y a des labos, Sanofi, Medtronic, il y a l'association AJD, il y a Diabète et Plongée, il y a le World Diabète Tour, enfin il y a plusieurs associations. Et puis il y a aussi également Diabéloop qui sera là pour, si vous avez des questions sur le pancréas artificiel que nous allons nous-mêmes tester, vous pourrez directement leur demander à eux, ce sera peut-être plus précis dans les réponses en tout cas j'espère. Et puis nous, on va tenir un stand également et donc on sera très heureuse de vous rencontrer lors de cet événement. Si vous voulez venir nous voir, c'est avec grand plaisir, on participera également à la course, mais on aura également un stand et sur ce stand on vous présentera un petit peu la chaîne YouTube pour les personnes qui connaissent pas. Et puis on a également créé des stickers. Alors d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo pour créer vous-même vos stickers, mais on a créé ceux avec bien sûr le logo Diab Head et on en a créé avec le logo Blade Run. Donc si jamais
vous en voulez, il suffit de venir sur le stand et on vous donnera des petits stickers pour votre freestyle libre, pour votre enfant ou vous-même, pour avoir le logo de la journée sur votre freestyle pour cette journée-là. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu, on serait ravis de vous voir pendant cette journée, de courir avec vous et puis en espérant que cette journée vous plaira avec toutes les associations présentes, les labos et tout, ça va être vraiment génial. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous désirez venir, si vous allez venir ou pas. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand pour nous faire un petit coucou et puis qu'on discute tous ensemble, ça va être vraiment super. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.